Là, on a pris quelques petites mesures concernant la future terrasse en bois qu'on va faire ici. Donc là, on va mettre en place en premier notre muraillère. C'est le bout de bois qui va être au niveau du mur et qui va venir porter avec le bout de bois qui va être au niveau du muret là. Trois autres bouts de bois qui vont être perpendiculaires à ces deux-là et qui vont venir soutenir l'ensemble de la structure de la terrasse. Donc là, on va aller gratouiller un petit peu ici et puis après positionner notre muraillère. Et ensuite, on pourra s'attaquer au gros bout ici dont on n'a pas encore fait les trous juste là. Donc là, on vient de gommer toutes les petites aspérités qu'il y a ici. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à présenter notre grande bestiole. La première bestiole en place. Maintenant, on va s'attaquer à notre petit trou là qu'on avait déjà entamé. On va se remettre à niveau par rapport à la batte. Et puis après, enlever encore 20 cm en dessous pour placer notre bout de bois et puis faire la rase au-dessous de notre bout de bois. Une belle petite avancée du trou, mais il y a 2-3 ferrailles de notre hélisseur à couper avant de s'enfoncer un petit peu plus dans les abysses. Il y a encore 5 cm de profondeur à creuser. Bon, le chef et puis la chef vont essayer de monter un petit échafaudage ici pour pouvoir poser notre grand bout de bois qui va aller à la fois dans le trou que je suis en train de faire et ici en attente pour pouvoir mettre les poteaux en dessous et puis les liens qu'on a préparés. Bon bah le petit trou du poteau est terminé, maintenant on va mesurer 41 depuis le haut pour prendre en compte le poteau qui va arriver là et qui va aller là-bas et celui du dessus plus les lames de terrasse. Coffrage pour notre petite arase terminée. Et ça va aussi soutenir notre bout de bois en attendant que notre arase puisse sécher. Donc il est bien posé au sol. Normalement, ça devrait tenir de ce côté. Et de l'autre côté, on aura l'échafaudage. Donc on est impeccable. Chantier, the mastodonte, presque en place, plus qu'à mettre de niveau et à remettre les petits poteaux en dessous avec nos petits liens. Donc là, on vient de mettre notre poutre de niveau par rapport à elle-même. On a pris nos cotes pour nos poteaux, du coup, là-bas et là, 187. Il va falloir enlever l'épaisseur de notre petit socle qui, lui, est réglable. Et puis après, on va commencer à mettre ces petits poteaux en place. Donc là, la prochaine mission, c'est juste de recouper un petit peu nos poteaux en fonction de ce qu'on a pris comme cotes pour qu'ils aillent au poil. Nos poteaux sont prêts, nos liens le sont également, donc on va pouvoir emmener tout notre matériel vers notre bestiole là, puis essayer d'y emboîter correctement pour faire notre vrai porticos.
Belle petite structure, le portique n'était pas forcément très simple à installer, mais en famille à 4, ça va comme sur des roulettes. Donc là, il y a juste le dévers qui est géré par l'échafaudage pour l'instant, en attendant qu'on prépare nos trois bouts de bois qui vont venir perpendiculairement à ceux qu'on a mis. Et puis après, on pourra mettre nos entretoises et nos lames de terrasse. Petit baptême de la pluie pour notre petit portique, déjà après une heure de pause. Bon, on va passer à la deuxième couche, ça commence à faire. Pour votre plus grand plaisir, ça va être encore une journée de lasurage. Celui-là fera la deuxième couche, celui-là également. Et tous ceux-là qui nous serviront d'entretoise à lasurer aussi sur deux couches. Et pendant ce temps, les parents, eux, sont à la découpe. Comme si on n'en avait pas assez, scène de crime. Vu que la grande muraillère qui est juste là, on l'a fixée un petit peu provisoirement avec juste une vis de chaque côté, le chef va s'adonner à la mission de la fixer sur toute la longueur avec des espèces de tiges filetées également qu'on vient d'acheter. Au niveau du linteau ici, parce que les autres endroits on peut pas traverser, donc c'est obligé cheville et grande vis, qui font d'ailleurs à peu près la même longueur.
Bon, bah, on dit un grand merci aux copains pour leur aide très appréciable. On va aller fixer maintenant nos trois grands bouts de bois là, déjà sur ce côté-là. Et puis après, les fixer sur cette partie-là pour régler notre contrebalancement, c'est-à-dire faire en sorte que la grande poutre là qu'on a mise avant ne puisse pas aller ni sur la gauche ni sur la droite. Et puis qu'il y ait bien les écarts qu'on avait prévus en termes de distance entre ici et là. Parce que plus on va là-bas, plus ça s'écarte. On l'a tourné parce que la belle face elle était en dessous, donc celle-là on va aller à verra pas parce qu'il y aura les lames de terrasse juste au-dessus. Les deux autres sont déjà bien placées, donc là on va mesurer entre là et là 2,80 pour nos bouts de bois, là pareil, et puis après on pourra placer nos petits sabots. On a réglé nos poteaux par rapport à l'intérieur de notre muret, là, au bout et au milieu. On a réglé nos poteaux d'aplomb, donc verticaux par rapport à eux-mêmes. Et puis du coup, après, on a mis des équerres là et là pour gérer le contrebalancement de cette poutre-là. Et donc, normalement, notre structure de terrasse, elle doit plus trop bouger. Maintenant que notre structure elle fait plus qu'un bloc, on va fixer un petit peu nos pieds, donc perfo, cheville, vis, et on sera impeccable.